Merci de votre présence à cette soirée de reconnaissance. À ce soir, on est ici pour reconnaître le travail de certaines gens qui se sont beaucoup impliqués à Saint-Alexis. Et on va commencer un après l'autre. Là. Je vais commencer par, je dirais pas le principal, parce qu'ils seront tous importants à mes yeux. Mais on va commencer avec M. Lanoux. Rémi nous a donné 36 ans de service. Ou 37 ans, en tout cas 36 ans. Merci pour les années. Je vais dire merci à Émilie, merci à son ami de nous l'avoir prêté durant si longtemps. Rémi, c'est une personne de Saint-Alexis. Il a tout le temps été respecté. Quelqu'un qui a une façon de faire, qui a de l'ordre, qui a tout le temps été une belle image pour Saint-Alexis. Rémi, on te remercie, je te remercie au nom des citoyens pour le dévouement que tu as eu pour notre municipalité. Merci beaucoup. On a un petit présent Internet. Il me fait plaisir d'être ici et de remercier la municipalité qui souligne mes 37 ans de travail. Pour parler de la retraite, parce que c'est ce que je me fais parler beaucoup, en fait, je suis, comme j'ai dit à certaines personnes ce soir, je suis encore dans ma tête comme en vacances des fêtes. Étant donné que je suis à la retraite, je côtoie des retraités, puis ils m'ont tous dit ça va aller dans 5-6 mois avant que tu comprennes le jeu de la retraite. Et effectivement, compte tenu, on va dire ça de même, des activités sociales, de la famille, des activités sportives que je fais. Je n'ai absolument pas vu passer le mois de janvier. Le mois de janvier a passé comme une balle. Tantôt, on parlait des 37 ans de service. Avec le recul, je peux vous dire que 37 ans, ça passe vite. Il y en a, avec l'âge que j'ai maintenant, je vois qu'il y en a des beaucoup plus jeunes que moi. Vous avez peut-être, vous allez dire, c'est long, 37 ans, mais ça a passé. Au terme où je suis rendu, ça a passé. Je vais me permettre de me rappeler certaines choses. Il y a des citoyens ici et des gens qui vont peut-être s'en souvenir. À mes débuts, les bureaux de la municipalité étaient localisés au sous-sol de l'ancienne caisse de Saint-Alexis. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent l'ancien immeuble. Je partageais les locaux au sous-sol de l'ancienne caisse avec les bureaux de la promutuelle de Saint-Alexis, qui est devenue la promutuelle de la Nodière. Pour ceux qui s'en souviennent, à l'époque, la personne qui partageait les locaux avec moi était, on disait à l'époque, Madame Denise Robert, l'épouse de Monsieur Guy Robert, qui, si ma mémoire ne fait pas défaut, s'appelait de son nom de famille, Madame Denise Recette. Également, pour parler un petit peu du monde municipal, soyez pas inquiète, là, j'en ai pas pour 10 minutes. Ça va être plus court que ça. Pour ce qui est de parler du monde municipal, le monde municipal est un monde qui est un petit peu méconnu de l'ensemble de la population. Le monde municipal est un monde qui bouge, mais souvent, ce n'est pas perçu de la même façon de la part des citoyens. Et le monde municipal est un monde qui côtoie différents intervenants. Et pour les élus ici, il y en a qui vont comprendre ce que je veux dire. Dans certains dossiers, on doit transiger avec plusieurs ministères, c'est-à-dire le ministère des Transports, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture et j'en passe. Alors, c'est des dossiers qui demandaient, beaucoup de discussions puis beaucoup d'intervenants. On dit souvent que le monde municipal, ça avance lentement, mais c'est une des raisons pour lesquelles ça avance lentement, parce qu'il y a plusieurs intervenants dans le dossier. Je vais quand même aussi rappeler, qui vont faire sourire certains dossiers de la municipalité. Je me souviens, dans les premières années que je suis arrivé, le dossier de l'implantation du HLM à Saint-Alexis.
un dossier qui avait pris une tournure politique que vous n'avez pas l'idée. Que même les dirigeants de la Société d'habitation du Québec recevaient des téléphones des citoyens de Saint-Alexis à savoir où ce fameux HLM-là serait implanté. Sur la rue Landry, devant l'église, à l'endroit où il est actuellement, au 17 rue Mars, c'était quasiment un jeu de dames. Il y a eu d'autres dossiers aussi, comme naturellement le dossier de la réalisation des travaux d'infrastructure à Saint-Alexis, d'Acaduc et de Dégout. Pour Saint-Alexis, on n'avait pas à se le cacher, c'était des travaux d'envergure qui nécessitaient beaucoup d'argent à l'époque. Et une petite anecdote ici, parce que entre autres pour les citoyens qui étaient du village, il y avait un citoyen qui avait été à court des petites créances, suivant la réalisation des travaux pour réclamer certaines sommes d'argent, parce que lui disait qu'il n'avait pas été informé qu'il y avait des travaux d'infrastructure qui se faisaient à Saint-Alexis. Alors, on s'est présenté à la cour des petites créances, et c'est un addon de la vie. Madame la juge qui présidait cette séance-là avait passé dans le village de Saint-Alexis, et elle avait demandé à ce citoyen, « Vous saviez pas qu'il se faisait des travaux d'infrastructure à Saint-Alexis? » Elle dit, « Moi, j'ai passé dans votre petit village. » Elle dit, « Il était reviré à l'envers. » Elle dit, « Je comprends pas que vous ne compreniez pas qu'il y avait des travaux qui se faisaient. » Un autre dossier également qui a été un point tournant pour la municipalité de Saint-Alexis, et je dois dire au mérite de M. Perrault, c'est le dossier de la fusion. Un premier, c'est M. Perrault, en fait, qui l'a initié, qui a réussi à faire le dossier du regroupement des municipalités. Ce dossier-là avait déjà été mis sur la table quelques années auparavant, et bon, ça n'avait pas marché. Un autre point concernant les lois. Ceux qui sont présentement à la municipalité, que ce soit les élus ou les employés, doivent conjuguer avec des lois qui changent au fil du temps et assez souvent. Notamment, dernièrement, même si je suis tombé à la retraite, comme je dis, je suis au neutre, mais je pense que c'est le projet de loi 122 qui s'appelle, avec la fameuse dénomination des municipalités. Les municipalités étaient pour le gouvernement, autrefois, on appelait ça des créatures du gouvernement. Maintenant, avec le projet de loi 122, ils sont venus dire que les municipalités sont maintenant des gouvernances de proximité. D'après moi, dans le fonctionnement, ça ne change pas grand-chose, mais c'est tout simplement un terme. Également, un rappel, lorsque je suis arrivé, moi, je suis arrivé au début des années 1980, mais je vais dire fin des années 70 et début des années 80, il y a eu des gros changements dans le domaine municipal, notamment par l'arrivée de la loi sur la fiscalité municipale, l'arrivée de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Cette loi-là a amené la création des MRC. Pour, je vais me permettre de dire, pour les plus vieux ici, les MRC, autrefois, on appelait ça des conseils de comté. J'ai connu l'époque des conseils de comté, maintenant qu'ils sont devenus des MRC. Il y a eu également la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. C'est cette loi-là que je viens de vous dire. La loi de la CPTAQ, la loi sur la protection du territoire agricole. Cette loi-là est venue donner une barre, une façon de voir... l'expansion des municipalités confinées se consolider au même endroit. Le décret de la municipalité est arrivé en 78, la loi est arrivée en 78 et le décret de la municipalité en 1982. Alors, il y a eu des lois qui ont été bouleversantes pour les municipalités. En terminant ici, je veux, avant de terminer, un autre petit bout, une autre petite note, j'achève là-dessus. De toutes ces années-là, et en considération qu'antérieurement, la municipalité était composée de deux entités législatives, soit la municipalité du village et la municipalité de la paroisse de Saint-Alexis, pendant toutes ces années, j'ai côtoyé 50 conseillères ou conseillers et 5 maires. Fait que quand on voit la taille de la municipalité,
Avec le sourire, je peux dire que j'ai quasiment travaillé avec à peu près toutes les familles de la municipalité de Saint-Alexis. Je remercie ceux et celles qui ont travaillé avec moi pendant toutes ces années. C'est sûr que parmi ces 37 années-là, il y a eu des hauts et des bas. Mais, somme toute, ce fut de belles années de travail. Je remercie ceux et celles qui ont travaillé avec moi, notamment ceux avec qui j'ai travaillé dernièrement, j'espère ne pas m'oublier, soit Ginette, Carole, Annie, Benoît, Yolan. Un merci spécial à Martine, vu le nombre d'années que j'ai travaillé avec elle. Je souhaite une belle continuité à la municipalité et aux employés de la municipalité. Merci. Bon succès dans tous tes nouveaux projets, puis bonne retraite, puis en tout cas, il y a quelques chasseurs là ici dans la gang, on va te souhaiter de manger du steak d'orignal les prochaines années. On continue, on sait qu'on a eu des élections d'automne dernière, puis on a eu quand même 4 personnes qui sont impliquées beaucoup, qui ont cessé le mandat, ils ont mis terme à le mandat. Puis, on a eu quand même de la belle relève. Puis, c'est ces gens-là que je veux reconnaître aussi. Puis, je vais commencer par ordre d'âge ou d'ancienneté. Bon, de toute façon, je parle de plus vieux. Monsieur Wolfe, quand même 31 ans autour de la table du conseil de Saint-Alexis. Gaston, qui était président du HLM, comme Rémi a parlé à ses tout débuts, qui avait la commission de l'urbanisme, qui est en cours sur le CCU. Gaston, merci pour l'implication auprès de ta communauté. Puis, Timo à Carole, on te le retourne, puis fais-en qu'est-ce que tu veux. Donc, merci Gaston, puis je te demanderai d'avancer, on a une petite reconnaissance à toi. 32 ans, moi aussi, j'ai vécu avec... 5 maires, il y a eu Guy Allard de la paroisse, il y a eu M. Marcellet du village, après ça, il y a eu M. Massé du village, M. Delorétier, puis maintenant Robert. J'ai côtoyé du monde conseiller, même s'il n'y a pas grand cheveux, encore plus vieux que moi. Je pense que après 32 ans, je pense qu'il y a des jeunes, puis ça va être pas mal bon. Je pense que Robert a une belle équipe, puis il va pouvoir faire un bon bout de chemin. Puis je vous félicite d'avoir mis l'épaule à la roue, puis d'avoir accepté ces postes-là. Parce que des fois, on se dit, ouais, on a notre famille chez nous, puis on a d'autres choses, mais la municipalité, c'est quand même important de s'en occuper, parce que c'est à nous autres. Comme Rémi a dit, la fusion elle a été essayée 3 fois, puis elle s'est réalisée juste la dernière fois. Mais... t'es dans nos têtes, à nous autres, il n'y a pas de village, puis il n'y a pas de paroisse, c'est Saint-Alexis. Puis je pense qu'on est plus fort comme ça, puis c'est super pour tout le monde. Puis en fin de compte, je vous souhaite un bon souper. Amusez-vous bien, je vous conterai pas d'histoire à soir. On va garder ça pour le souper des tirs de tracteur. Salut! Louis qui nous a donné quand même 20 ans de son temps. On te remercie d'implication auprès de notre communauté, puis on voudrait te remettre une plaque à même titre que Gaston. Monsieur Michel Ricard, qui a donné 16 ans de service auprès de sa communauté. Michel, merci beaucoup. Merci pour le temps que nous a donné. Merci infiniment. Ça fut un plaisir. Il s'est passé quand même des belles choses en 16 ans. La fusion, l'hôtel de ville, il s'est passé quand même beaucoup de choses. J'ai eu du plaisir avec le monde qu'on a côtoyé. Puis je pense que, comme Robert disait, puis Gaston dit, on a une nouvelle équipe qui est en place, puis je pense que j'en suis bien content de voir ça, les jeunes qui sont là. Je sais pas s'ils donnent la misère un peu au maire, mais n'ayez pas peur, cette affaire, c'est bien correct, il est capable d'en prendre. Puis je tiens à remercier aussi Rémi. Rémi, j'ai apprécié cet homme-là parce que c'est un gars qui était très professionnel, secret,
jamais qu'il se mêlait avec le citoyen, ça, il restait neutre dans son chose, puis il a fait ça jusqu'à, comme un grand, jusqu'à la fin. Puis, ça fait un plaisir de le côtoyer, puis je vais lui souhaiter une belle retraite. Longue, on le souhaite toutes, mais en tout cas, une belle retraite. Donc, merci tout le monde, puis au plaisir. Bon souper. Et non le moindre, le plus jeune, Pascal, qui nous a donné quand même 8 ans de service. Merci beaucoup pour le temps de te donner aux citoyens Saint-Alexis. La municipalité est fière de te remercier. Merci, Pascal. Bonsoir tout le monde. Merci Robert, je ne pouvais pas manquer cette invitation-là. Le monde municipal, je sais qu'est-ce que c'est comme implication, évidemment, pour y participer depuis plusieurs années. Je pense que c'est important aussi de souligner l'apport des conjoints-conjointes de ces gens-là qui s'impliquent et qui ont attendu à la maison régulièrement. Félicitations au directeur général qui quitte, Rémi. J'ai de bons souvenirs de toi, bien sûr. C'est la même chose pour Louis, Michel, Pascal, Gaston. Je terminerai peut-être en disant à Gaston que tu as dit à un moment donné, je t'ai entendu dire qu'il y a des petites villes avec des gros maires. Ben, que ça ressemble à ça. J'interprète comme un politicien. J'ai dit que c'était pas un plus gros maire qui gérait une plus grosse municipalité. On va l'interpréter comme on veut. Pour ma part, ce que je voudrais dire, c'est que il y a pas des gros maires et des petits maires, mais il y a des grandes personnes avec des grands cœurs. Je suis très content de vous voir à chaque fois. Puis je participe avec vous autres au tir de tracteur l'été à chaque année. Puis c'est tout le temps plaisant. Il y a tout le temps une belle ambiance là. Donc on sera là encore cette année. Merci à tous. Merci de votre implication. Puis je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci.